Bienvenue sur la première étape du Tour de France 1988. Pont-Château-Match Écoule, 91,5 km disputés sous les averses. Tout d'abord, le début de l'étape va être animé par les sprints de bonification, avec notamment le Belge Heidericks qui va donc remporter ce sprint de bonification et devenir virtuellement le porteur du maillot jaune. En Suisse, on va assister à un fait de course au kilomètre 31, puisque des manifestants vont bloquer le peloton. Les coureurs vont ensuite repartir. On va prendre donc la direction de Match Écoule avec des attaques maintenant, avec un quatuor, Lille Holt, Van Vliet, Verhoeven et Ile Games. Leur avance n'a jamais été très importante sur le peloton, c'est une étape très courte, très plate, l'allure est très rapide et on va voir que notamment le champion du Danemark, Lille Holt, va profiter des sprints bonification pour passer en tête et sortir seul de ce quatuor, mais il va être repris par le peloton. Vous voyez ici, les conditions climatiques sont encore très difficiles pour les coureurs. Et finalement, à 11 km de l'arrivée, Steve Bauer, 10e du Tour de France 85, vainqueur du Tour de l'Oise, d'une étape du Dauphiné, du Tour de Suisse et de l'Étoile de Bessège, un Canadien de 29 ans de la formation Weinmann, va sortir seul. Et en costaud, il va résister au retour du peloton pour s'imposer avec 8 secondes d'avance sur ce peloton, réglé par Van der Harden devant Placard. C'est la première victoire d'étape d'un coureur canadien sur la grande boucle. Et du côté du classement général, avec tout ce comptage sur les différents sprints bonification toute la journée, Steve Bauer s'empare du maillot jaune devant le Danois Søren Lilleholt, Tønne Van Vliet et Nico Verhoeven. Ciao tout le monde.